Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment substituer une sous-chaîne à une autre. Les programmes Office et la plupart des programmes Windows sont livrés avec une commande remplacée qui vous permet de rechercher du test puis le remplacer par une autre chaîne. Alors, la collection de fonctions de feuilles de calcul Excel est également dotée d'une telle fonctionnalité sous l'apparence des fonctions remplacer et substituer. Alors, alors, nous allons voir de près euh, la fonction remplacer. Comme tout à l'heure, euh, nous allons tout simplement aller dans notre euh, fonction insérer une fonction. Ensuite, ici, nous allons la, euh, la catégorie de test. Et là, nous allons tout simplement sélectionner, nous euh, allons appuyer sur R, là, nous tombons directement sur la fonction remplacer. Alors, Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui remplace une chaîne de caractères par une autre. Alors, la syntaxe, nous avons tout simplement l'ancien test comme premier argument, le second argument, le nouveau test, le troisième argument, le numéro de caractère et le quatrième argument, le nouveau test. Alors, nous allons voir de près euh, les arguments. Excel euh, décrit tout simplement euh, l'argument test, ancien test, comme, euh, comme le test euh, dans lequel vous voulez remplacer les caractères. Ensuite, le numéro de départ. Qui est tout simplement d'écrire dans Excel comme la position du caractère dans l'ancien test que vous voulez remplacer par le nouveau test. Ensuite, nous avons le numéro de caractère qui est tout simplement le nombre de caractères que vous voulez remplacer dans l'ancien test. Et enfin, nous avons le nouveau test qui est tout simplement le test qui va remplacer les caractères de l'ancien test. Alors, alors, les chaînes d'origine contenant les sous-chaînes que vous souhaitez remplacer. La position du caractère à laquelle vous souhaitez commencer à remplacer, le nombre de caractères à remplacer. Alors, les parties difficiles de cette fonction, les arguments euh, numéro des départ et les arguments numéro des caractères. Alors, comment savez-vous par où commencer et quelle quantité remplacer Il est important de savoir que ce n'est pas euh, difficile si vous connaissez la chaîne d'origine dans laquelle le remplacement va avoir lieu et si vous connaissez la chaîne de remplacement. Alors, nous allons tout simplement aller tout de suite avec un exemple. Donc, euh, nous allons tout simplement à ce niveau. Alors, par exemple, ici dans la cellule b, B2, b nous avons euh, une chaîne qui est tout simplement le budget des dépenses plus pour 2012, qui indique tout simplement les dépenses effectuées pour l'année 2012. Alors là, pour en passer tout simplement le 2012 par 2013, nous allons tout simplement entrer la formule dans cette colonne. Alors là, nous allons tout simplement entrer notre formule telle que... Euh, égal à remplacer. Donc, euh, nous allons entrer la fonction remplacer. L'ancien test est tout simplement la cellule B2, donc euh, la chaîne de caractères B2. Ensuite, le, nous allons entrer notre point virgule pour séparer le premier argument du second argument. Comme je vous disais tout à l'heure, euh, l'argument numéro de départ est très important et l'argument numéro de caractère. Alors ici, nous voulons tout simplement entrer, nous voulons tout simplement remplacer 2012 par 2013. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire nous allons tout simplement venir euh, compter le numéro de départ de 2012. Alors nous allons compter le nombre de caractères pour le numéro pour, 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 jusqu'à atteindre 2012. Donc ici, nous allons tout simplement compter le premier caractère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec l'espace, puisque nous avons plus, que nous, avons, plus que nous avons vu dans des dans précédentes vidéos que des espaces sont des caractères. Donc, ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc mon 2012 commence tout simplement à 24. Le 24e caractère. Donc je vais tout simplement entrer 24. Ensuite, j'entre mon point virgule pour le, le, le numéro de départ. Le, le nombre de caractères... Euh, que je vais remplacer. Ici, je vais remplacer 2012. Alors, 2012 a combien de caractères de 2012 a tout simplement 1, 2, 3, 4 caractères. Donc, ici, je vais entrer 4 et mon point virgule pour séparer l'argument. Numéro de caractère de la le numéro de test. Donc, maintenant, je vais entrer le nouveau test. Alors, le nouveau test, c'est quoi C'est tout simplement 2013. Parce que je vais remplacer tout simplement 2012 par 2013. Donc, euh, je vais tout simplement entrer 2013. Et là, lorsque je fais, je, fais, je vais refermer ma parenthèse. Et là, lorsque j'appuie euh, sur Entrée, comme vous pouvez le constater, le, chef, le test a été changé de budget de dépense pour, 2000, pour 2012 à budget de dépense pour 2013. Alors, comme je vous le disais tantôt, les nuances sont, tout, sont au niveau euh, de la fonction numéro de départ et la fonction numéro de caractère. Lorsque vous connaissez ces deux fonctions, euh, le, la, la fonction remplacée est tout simplement très facile à utiliser. Alors, comme vous pouvez le voir tout à l'heure, j'ai compté mon caractère numéro de départ à la main. Alors, si j'ai un test plus long que ça, comment est-ce que je vais savoir de mon, mon numéro de, de départ Est-ce que je vais passer mon temps à compter mon numéro de départ à la main si euh, ma chaîne est tellement longue Alors, dans ces situations, plus généralement, vous pouvez même ne pas connaître ces valeurs. Par conséquent, vous devez calculer ces arguments. Alors, par exemple, pour déterminer l'argument numéro de départ, vous pouvez utiliser la fonction. Euh, Trouver et les fonctions recherchées pour localiser la sous-chaîne à remplacer. Et pour déterminer la valeur du, no du numéro de caractère, vous pouvez utiliser la fonction nombre de caractères pour obtenir la longueur du test de remplacement. Nous allons tout simplement entrer cette formule pour calculer pour la fonction remplacer. Donc ici, nous allons tout simplement entrer. Tout simplement égal à la fonction remplacer. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, alors l'ancien test tout simplement la cellule B2. Je vais entrer mon point virgule pour séparer l'argument ancien test de l'argument nouveau test, comme je, vous dis, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, pour trouver l'argument euh, numéro de départ, je peux tout simplement entrer la fonction Trouve d'Excel. Et ensuite, entrer le. Alors, le test, c'est je tout simplement 2012. 2012. Je vais le mettre entre les, les accolades pour que Excel sache qu'il s'agit d'une chaîne. Alors, ensuite, je vais entrer mon point virgule pour entrer mon test, qui est tout simplement la cellule A2. Donc, je recherche 2012 dans la cellule A2. Ensuite, je vais tout simplement fermer ma parenthèse, entrer mon point virgule pour entrer le numéro de caractères. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour euh, rechercher le numéro de caractère, je peux tout simplement entrer la fonction nombre de caractères. Et pour le test du nombre de caractères, je vais tout simplement entrer. Je veux, je veux le nombre de caractères de la chaîne 2012. Ensuite, je vais tout simplement fermer ma parenthèse et entrer mon point virgule pour entrer le nouveau test. Le nouveau test, je veux, tout, ce, tout, tout ce que je veux, c'est de remplacer 2012 par 2013. Alors, genre, je vais tout simplement entrer 2013 et refermer ma parenthèse. Alors, lorsque j'appuie sur Entrée pour valider, comme vous pouvez le constater, Excel écrit tout simplement le budget de dépenses pour 2013. Donc, Excel a remplacé 2012 par 2013. Donc, euh, quand vous, alors, donc vous pouvez tout simplement utiliser les fonctions trouve et les fonctions numéro de caractère pour tout simplement retrouver facilement les arguments numéro de départ, euh, numéro de départ et les arguments numéro de caractère. Alors, alors, en plus de la fonction remplacer, nous avons la fonction substitue. Alors, ces étapes supplémentaires rendent la fonction remplacée difficile à manier. De sorte que la plupart des gens préfèrent plus utiliser la fonction substitue qui est plus simple. Alors, nous allons aller voir de près euh, de quoi faire euh, la fonction substitut. Donc, euh, comme vous pouvez le constater, Excel le décrit tout simplement comme une fonction qui remplace les caractères dans un test. Alors, euh, la syntaxe est tout simplement le test euh, comme premier argument, le second argument l'ancien test, le troisième argument le nouveau test et le quatrième argument comme le numéro de test. Là, euh, nous allons voir de près ces arguments. Essayez d'écrire euh, l'argument test comme la chaîne de test entre guillemets ou la référence de la cellule contenant la chaîne de test dont vous voulez remplacer les caractères. Ensuite, l'argument euh, « Ancien test », Excel a décrit tout simplement comme le test qui doit être remplacé. Alors, si la case de l'ancien test ne correspond pas à la case du nouveau, le remplacement sera annulé. Alors, ensuite, nous avons euh, le troisième argument qui est tout simplement le nouveau test, qui est tout simplement le test qui doit être remplacé à l'ancien test. Alors, nous avons l'argument facultatif qui est le mot de position, qui indique l'occurrence de l'ancien test que vous voulez remplacer. Alors, par défaut, toutes les occurrences de l'ancien test sont remplacées. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'argument test veut tout simplement dire que c'est la chaîne d'origine euh, qui contient la sous-chaîne que vous souhaitez remplacer. Donc, euh, l'ancien test est tout simplement euh, la sous-chaîne que vous souhaitez remplacer. Et le nouveau test est tout simplement la sous-chaîne que vous voulez utiliser comme remplacement. Et ensuite, le nombre de position est tout simplement le nombre de remplacements à effectuer dans la chaîne. Alors, ici, nous avons tout simplement. Euh, Entrer un exemple, ici nous allons tout simplement entrer l'exemple avec la fonction substituer. Ici, nous, avons, nous voulons tout simplement substituer euh, 2012 dans cette chaîne. Donc nous allons remplacer 2012 par 2013. Alors nous allons tout simplement entrer notre formule avec la fonction substituer d'Excel. Ensuite le test qui est tout simplement la cellule B2. Euh, nous allons entrer notre point figure pour séparer euh, l'argument test de l'ancien test. Alors l'ancien test est tout simplement c'est 2012 que nous voulons remplacer. Donc, nous, voulons, nous allons tout simplement entrer le nouveau test qui est tout simplement 2013. Bon, nous allons le mettre entre guillemets. Nous allons tout simplement le mettre entre guillemets. Et lorsque nous avons terminé, alors nous allons tout simplement fermer notre parenthèse. Et lorsque nous avons terminé... Nous pouvons tout simplement appuyer sur Entrée et, comme vous pouvez le constater, Excel a euh, remplacé 2012 par 2013 en, en, en entrant tout simplement le budget de dépenses pour 2013. Alors, comme vous pouvez le constater, la fonction Substituer » est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple à utiliser que la fonction Remplacer. Alors, à présent, nous allons voir comment supprimer un personnage d'une chaîne. Alors, euh, dans vidéos, euh, Alors, dans les précédentes vidéos, vous avez dans les précédentes vidéos vous avez découvert euh, la fonction épurage qui supprime les caractères non imprimables d'une chaîne, ainsi que la fonction supprime espace qui supprime les espaces vides d'une chaîne. Alors, un scénario de test commun implique la suppression de toutes les occurrences d'un caractère particulier d'une chaîne. Alors, par exemple, vous souhaitez peut-être supprimer les espaces d'une chaîne ou des apostrophes d'un nom. Alors, pour cette fois, nous allons tout simplement entrer une formule qui supprime tout simplement les espaces euh, contenant dans cette chaîne. Donc, ici, nous allons entrer avec la formule substituée, qui sert tout simplement, euh, nous allons entrer la fonction substituée d'Excel. Ensuite, le test, c'est tout simplement le test A2. Donc, euh, là, nous allons entrer la, le, le noqueau point, virgule, l'ancien test, qui sert tout simplement de supprimer les espaces de notre chaîne. Ensuite, le nouveau test, c'est... Nous allons tout simplement fermer notre parenthèse. Alors, ce que cette formule fait est tout simplement de remplacer le test par la chaîne d'origine et le caractère euh, par le caractère que vous souhaitez supprimer. Alors, cette formule remplace le test par euh, la chaîne d'origine et le caractère euh, par le caractère que vous souhaitez supprimer. Alors, euh, cette formule tout simplement supprime tous les espaces de la chaîne dans la cellule B2. Lorsque nous appuyons sur entrée, comme vous pouvez le constater, Excel a tout simplement supprimé tous les espaces qui se trouvaient dans la cellule B2. Ici, nous avons le budget de dépense pour 2012 qui est tout simplement une chaîne collée. Alors, une utilisation supprimante de la fonction substitue consiste à compter le nombre de caractères appartenant dans une chaîne. Alors, l'astuce ici est que si vous supprimez un caractère particulier d'une chaîne, la différence de longueur entre la chaîne d'origine et la chaîne résultante est identique au nombre de fois où le caractère est apparu dans la chaîne d'origine. Donc, par exemple, ça veut tout simplement la chaîne dépenses. Alors, par exemple, la chaîne dépense a tout simplement 8 caractères. Si vous supprimez tous les E, la chaîne résultante compte 5 caractères. Alors, la différence est 3, ce qui correspond au nombre de E dans la chaîne d'origine. Alors, euh, pour calculer cela dans une formule, vous utilisez tout simplement la fonction nombre de caractères et soustrayez la longueur euh, d'une chaîne avec le caractère euh, retiré de la longueur de la chaîne d'origine. Alors nous allons tout simplement entrer une formule qui le fait. Alors on encadre tout simplement euh, la fonction nombre de caractères euh, d'Excel. Ensuite euh, le test est tout simplement la cellule B2. Nous allons tout simplement fermer notre test que nous allons la soustraire tout simplement au, au nombre de caractères de euh, la fonction ensuite nous allons entrer la fonction substituer ensuite nous allons tout simplement entrer euh, le test qui est tout simplement le test b2 donc à l'intérieur nous allons tout simplement euh, compter le nombre de e donc euh, le nombre de caractères de la lettre e donc on va entrer e en minuscule tout simplement e et les espaces. Alors nous allons tout simplement fermer notre parenthèse. Alors lorsque nous appuyons tout simplement sur Entrée, Excel affiche 5. Alors, ce 5 représente tout simplement le nombre de e contenus dans cette chaîne. Alors ici, si nous comptons par exemple à la main, nous avons tout simplement 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, euh, nous avons 5 E euh, qui apparaissent dans cette chaîne. Donc, Excel calcule tout simplement le nombre de E qui apparaissent dans cette chaîne. Alors, ensuite euh, de cette vidéo, nous allons tout simplement voir comment supprimer deux caractères euh, différents d'une chaîne. Alors, il est possible d'impliquer une fonction substituée dans une autre pour supprimer deux caractères euh, différentes d'une chaîne. Alors, par exemple, considérons d'abord l'expression. Qui supprime tout à l'heure euh, les espaces dans la chaîne, donc tout simplement cette expression. Bon, dans ma chaîne de départ, je vais tout simplement ajouter des caractères. Donc, euh, par exemple ici, je peux par exemple ajouter des points, tout simplement. Donc, euh, dans ma chaîne, j'ai tout simplement ajouté un point. Et, et euh, lorsque je reviens sur cette formule, cette formule qui supprime tout simplement les caractères, euh, qui supprime tout simplement les espaces dans ma chaîne. Donc euh, Alors pour cette formule-ci, je vais tout simplement supprimer tous les points qui se trouvent dans ma chaîne. Je peux tout simplement, à ce niveau, au niveau des caractères, entrer tout simplement le point. Et lorsque j'appuie sur Entrée, et là, lorsque j'appuie sur Entrée, comme vous pouvez le constater, Excel a tout simplement supprimé le point qui se trouvait au niveau de ma formule. Donc ici, nous avons tout simplement un budget de dépenses pour 2012 sans le point. Alors, euh, étant donné que cette expression renvoie une chaîne, vous pouvez utiliser ce résultat comme argument de test dans une autre fonction substituée. Alors, la formule, la formule, la formule que je vais... Alors, je vais tout simplement entrer une autre fonction, une autre fonction substituée. Donc, euh, je vais tout simplement, euh, à ce niveau, entrer une fonction substituée. Substitute. Alors là, euh, à ce niveau, euh, je vais tout simplement laisser... Cette fonction, parce qu'elle supprime déjà le point dans ma chaîne. Ensuite, euh, je vais ajouter une autre fonction. Quant à elle, supprime plutôt les espaces qu'il y a dans ma chaîne. Alors, lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement appuyer sur Entrée pour valider mon opération. Et là, comme vous pouvez le constater, à ce niveau, j'ai tout simplement le budget de dépenses pour 2012. Il n'y a plus de points ni d'espaces de, dans ma chaîne. Alors là, comme vous pouvez le constater, bien supprimé deux caractères différents dans une chaîne avec la fonction SUBSTITUTE. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le pouce. Vous avez alors, des questions à poser, ça y est libre de les poser Nous, nous allons